et que tout le monde dise Amen. Le Seigneur vous bénisse, toujours debout. Vous voyez, quand on se rassemble chaque mardi, je vous dis que ces sièges vides doivent être occupés, doivent être pris en compte, que les dirigeants doivent s'asseoir là-bas. Si on ne peut pas influencer les gens de devant, les gens de dedans, les dirigeants, si on ne peut pas les influencer, comment peut-on influencer ceux qui sont dehors là-bas, qui ne sont pas nés de nouveau? Donc, nous devons faire des efforts conjugués pour dire à nos frères qui doivent être ici le mardi et le samedi pour la formation des ouvriers. Oui, afin que nous ayons la formation que nous devons avoir et que nous fassions plus que ce que nous faisions au nom de Jésus-Christ. Nous parlons, ouais, tout le monde parlait de l'ancien Bagada et les leçons étaient remplies à l'époque, mais ce sont les dirigeants et les ouvriers qui étaient en flamme, ils étaient en feu. Ils n'attendaient pas que les bus les ramènent ici. Pourquoi n'es-tu pas venu? Non, j'ai raté le transport. Et ils ont essayé. Récemment, j'ai suivi un message passé. Et le message, c'est une seule vie. C'est la chanson là qui bientôt s'en ira. C'est la chanson qui a suivi le message là. Je disais là-bas que Dieu merci. On peut venir ce jour. Le jour là, il n'avait pas de transport. Et c'était la pénurie de carburant. Mais les gens étaient venus. Certains couraient à l'époque là. C'est pourquoi le réveil était là à Bagada à l'époque là. En ce temps là, le temps là va revenir. Pour que nous-mêmes, nos dirigeants, les ouvriers à plein temps, les ouvriers à temps partiel et les ouvriers volontaires, que tout le monde ait le feu, la faveur, la ferveur et avec l'impulsion qu'on court et qu'on cherche des véhicules pour ramener les gens au centre. À ce temps-ci, c'est un temps nouveau, un temps de réveil. Donc, quand je dis ceci, vous savez, en ces jours d'alors, si je dis quelque chose à l'église, si je dis que voici la vision, voici l'objectif devant nous, je vois que déjà la réunion prochaine, je vois que les gens répondent, ils réagissent et tous les lieux vacants sont remplis. Et si je vais aussi dans les états, il ne m'appelle pas seulement mon Père dans le Seigneur, notre Père dans le Seigneur. Réellement, il m'accepte, il croit que tout ce que je dis, cela est envoyé par le Seigneur et il répond aussitôt. Donc, nous voulons que ce temps de réaction et de réponse immédiate vienne. Et si j'essaie de corriger quelque chose à l'endroit de l'Église, l'Église doit répondre et être obéissant à ce que je corrige au lieu d'utiliser des artifices pour réagir. La réaction n'est pas de Dieu, mais c'est la réponse qui est la volonté de Dieu. Et nous allons bien y répondre. Et ce que je corrige, ce que je dis, je veux que l'Église revienne à là où nous étions et que personne ne nous confonde. Aucun pouvoir maléfique, parce que nous répondons bien à la parole de Dieu. Et je prie qu'ici, depuis le siège, dans tous les états, dans toutes les régions, les pays, que l'Esprit de Dieu descende à nouveau sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Un autre Amen. Là-bas, il ne faut pas réagir. Donnez-moi la réponse. Vous voyez face à face. Et vous réagissez tel que vous
prophétie comprenez, la parole du prophète sera confirmée. Soyez très prudents que vous n'êtes pas ici pour contredire ce que moi je dis. Je suis nommé par Dieu et quand je parle, je parle. C'est l'office du prophète, l'office du pasteur et nos ouvriers et les agents de sécurité doivent être vigilants. Qu'ils ne permettent pas à l'indiscipline dans l'église. Quand je parle, il y a quelqu'un qui réagit à la manière ordinaire. Je ne vais plus accepter cela. Comprenez que je me tiens en tant que prophète. Et quand moi je déclare, je sais ce que je dis. Soyez très prudents. Nous allons tenir sur la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés afin de nous faire du bien dans le cœur et de nous faire du bien dans la vie et que nous aussi nous allions vers le reste du monde et que nous leur fassions du bien au nom de Jésus-Christ. Tu nous as appelés, Seigneur, et nous avons répondu à ton appel. Nous demandons que tu nous aides et que nous portions de fruits dans notre appel au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a béni, assoyez-vous. Ce soir, nous sommes là en Luc chapitre 5, qui est un long passage. Nous allons commencer du verset 8 au verset 11. Luc 5. Du verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Le verset 9 dit, « Quand l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. On se dit, et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Il laissait tout et le suivit. Ce soir, nous parlons de l'appel de Christ et le titre est l'appel de Christ à le suivre fidèlement, fidèlement et pleinement. L'appel de Christ à le suivre fidèlement et pleinement. Nous allons voir trois points dans le message ce soir. Numéro 1. C'est l'appel convaincant de Christ à Simon-Pierre et à tous les pécheurs. Numéro 2, c'est le choix confirmé par le Christ de Simon-Pierre et de tous les prédicateurs ultérieurs. 3, la commission complète de Christ pour Simon-Pierre et tout son peuple sauvé et sanctifié. Allons, premier point. L'appel convaincant de Christ à Simon-Pierre et à tous les pécheurs. Il appelait Simon-Pierre et dans certains versets du chapitre, voyons, Luc 5, du verset 27. Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, c'est Matthieu là-bas, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Il a aussi appelé Matthieu, c'est ainsi qu'il a appelé tous ses apôtres, tous ses disciples. Et ce qui nous intéresse, ce qui nous inspire, ce qui nous fait sentir qu'on peut faire la même chose ce jour, c'est que aussitôt qu'il les a appelés, c'est un appel impérieux, convaincant. Il ne peut, il,
ils n'avaient pas pu, ils n'ont pas pu résister à l'appel. Ils se sont levés et l'ont suivi. Voyons, nous allons voir trois sections ici dans l'appel convaincant. Un, son appel constant à la repentance et au salut. Il n'appelle personne au divertissement. Il n'appelle personne à la religion. Il n'appelait personne à la tradition. Il appelle tout le monde. Il nous appelle. Il appelle tout le monde à la repentance et au salut. Numéro 2. Sa conversion créatrice à la justice et à la filiation. Lorsque les gens viennent au Seigneur comme ils attendaient qu'ils viennent, voici ce qui se passe réellement avec eux. Ils ont la justice dans leur vie. Alors, il dit que je suis Christ, je suis le Seigneur, et Christ, et que ces gens continuent de mener la vie du passé. Non, il y a un changement créateur dans leur vie. Lorsque vous venez efficacement au Seigneur, il y a un changement, une transformation dans votre vie. Alors, c'est pas que il m'a appelé, je le suis. Le fumeur continue de fumer. L'ivrogne continue de boire et le coureur de jupons continue de faire sous ses actes. Non, il y a un changement, une transformation lorsqu'on répond à l'appel du Seigneur, de sa conversion créatrice à la justice et à la filiation. 3. C'est la consécration convaincante d'avoir tout laissé, de se soumettre à tout. Ils ont tout laissé aller. Voici la consécration convaincante à la responsabilité de gagner les âmes. Allons à la première partie ici, qui est son appel constant à la repentance et au salut. Nous allons à Luc 5, verset 31. Luc 5, 31. Jésus prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Il nous a donné l'interprétation de ce qu'il a dit dans le verset 32. Et 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, les justes moraux, les justes traditionnels, les justes religieux. Je ne suis pas venu appeler à la justice des justes, mais des pécheurs. » C'est ce qu'il fait même ce jour. Il appelle les pécheurs à la repentance. Nous allons à Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de repentance, l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous allons en Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Avez-vous vu l'attitude de Christ, la prédication de Christ, la fermeté de Christ et la véracité de Christ? Il n'a pas dit, il y a d'autres églises, il y a d'autres ministres, il y a d'autres prédicateurs, il y a d'autres gens qui se lèvent ici. Et je leur dis, repentez-vous. Alors, ils vont aller à d'autres lieux. Mais est-ce que vous savez, ils vont aller à celle là où on a les danses, et les tap-tam et la religion, que ceci va attirer les gens. Mais ils n'attiraient personne à la religion. Ils n'attiraient personne à ces amusements. Ils veulent qu'ils comprennent que si l'on ne se repent pas, on va périr. Le verset 5 dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et Luc 24, verset 47, Luc 24, 47 dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est ce qu'il nous a dit de faire parmi toutes les nations, et le défi et la tentation pour nous
en tant que dirigeant, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant que les dirigeants de section sur le peuple de Dieu, de dire qu'il y a une église là-bas tout proche de notre église, il y a une autre là-bas tout proche de notre église, et eux là, ils invitent les gens, même ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent ceci et cela, et si nous n'adultérons pas, si on ne modifie pas, on n'atteint pas le message, si on ne cesse pas de prêcher la repentance et devenir une nouvelle vie, mener la vie de justice, si on continue de souligner cela, ces autres églises et ces autres dénominations vont voler nos membres. Non, ils ne sont pas nos membres pour être volés. S'ils peuvent aller de la repentance jusqu'à la déclaration falsifiée, mauvaise de ces gens, ça veut dire qu'ils ne sont pas les de nouveau, ils ne sont pas sérieux. Donc, on ne doit pas modifier la parole. Christ nous a donné le message. Il a dit que à toutes les, il a dit ici que et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et nous devons combattre avec ferveur la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et si vous prêchez dans la puissance de l'Esprit de Dieu et dans l'autorité du nom de Christ, vous prêchez la parole qu'il vous a donnée sans aucune compromission. Les gens qui doivent être ici vont venir. Ils seront convertis et leur vie sera totalement différente. On ne va pas sinon nous associer à des foules religieuses qui disent les mêmes choses. C'est ce qui nous distingue au commencement de cette vie profonde. Ces divers centres d'études bibliques ont tout modifié. Et à Lagos, ici, il y a la sécurité éternelle qui était en hauteur. Mais je vais vous le dire avant d'arriver là-bas, à l'université là-bas, pour étudier et faire mes études là-bas. J'ai été invité par la communion chrétienne là-bas. Ils m'ont donné là-bas le titre « Le chrétien et le monde ». Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai donné la parole comme cela était dans la Bible. Aussitôt que j'ai fini le message, ceux qui sont assez âgés à l'époque là, s'ils m'attendent maintenant, ils vont comprendre que oui, c'est vrai. Aussitôt que j'ai fini le message, quelqu'un est venu, il a pris le micro, il a dit: tout le monde, attendez, nous n'acceptons pas cela, nous n'allons pas sur cela. Je me suis rappelé un autre frère, et je connais même son nom, il est allé l'embrasser. J'ai dit non, ne vous en faites pas, on ne croit pas cela, que quelqu'un peut se repentir et devenir un véritable enfant de Dieu et être totalement transformé, on ne croit pas cela. J'ai dit qu'il aille avant que nous ne parlions au nôtre. C'était ainsi que cela était. Et après tout, j'étais revenu à l'université pour faire mes études, et quelqu'un devait venir prêcher dans la même communion. J'étais là parce que je connaissais le frère qui viendra, et puis je suis allé m'asseoir là-bas afin de l'écouter parler, et le frère n'était pas arrivé. Alors à ce temps-là, il n'y a pas de téléphone pour dire que je ne viendrai pas, voici la raison pour laquelle je ne suis pas là. Alors on attendait, on chantait, et puis le dirigeant de l'Union chrétienne est venu me dire que frère, ouais, le prédicateur n'est pas là, mais est-ce que tu peux nous aider dans 5 à 10 minutes? Je dis d'accord, pas de problème. Et je n'ai jamais rejeté une opportunité. Je sais que des mois écoulés, ils ont crié sur moi. Ils ont pris le micro. Nous là, on n'accepte pas ça. Maintenant, on m'appelle et dit que parle. Et puis je me suis levé et j'ai parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, j'ai parlé. 5 minutes, 10 minutes d'opportunité qu'ils m'ont donné. Il n'y a pas assez de temps pour me préparer. Mais la parole était au-dedans de moi. Et j'étais prêt pour la déverser sur les gens. Et j'ai prêché. Le lendemain, c'était 3 jours de réveil.
Et l'Union chrétienne là-bas, ils m'ont encore appelé, j'ai prêché. Et le troisième jour, ils m'ont appelé encore. Et j'ai délivré la parole comme tu connais la parole. Et puis, ils m'ont demandé, s'il te plaît, tu n'es pas un responsable de l'Union chrétienne, mais on a besoin de cette parole. Je dis d'accord, chaque semaine, nous rassemblons pour faire ce qu'on appelle aller en profondeur de la parole. Et chaque semaine, alors, les gens venaient, c'est pas forcé. La vie profonde n'a pas commencé. Et je donnais la parole là-bas, au temps où nous appelons Tikidip. Qu'on va en profondeur de la parole, et toi, si tu dis cela, on ne croit pas, on ne croit pas cela. Non. Je laisse cela à Dieu. Je souligne la parole, les gens viennent. Et l'année prochaine, je suis devenu un professeur là-bas. Et puis, on a commencé la vie est profonde. Et c'est par ça, là, je continue de prêcher la parole, souligner la parole. Que si un homme ne se repent pas, il ne verra pas le royaume de Dieu. Et par la grâce de Dieu, plus de 50 ans écoulés, je prêche la même chose. C'est quoi vous êtes arrivé? Et je vous transfère la parole. Et vous allez aller dire et enseigner aux autres que comme ils sont venus, comme ils venaient lorsque j'étais là, lorsque tu es là, ils viendront comme tu prêcheras la parole. Et deuxième partie, nous allons voir sa conversion créatrice à la justice et à la filiation. Lorsque nous venons à lui, il nous appelle et il nous convertit. Il nous transforme. Il rend notre vie totalement différente. Nous allons voir Luc chapitre 10, verset 20. Luc 10. Nous lisons le verset 20 qui dit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il y a des théologiens qui vont dire que les gens ne s'étaient pas convertis à l'époque lorsque Christ était sur la terre. C'est après sa mort à la croix, que c'est après sa résurrection que ces gens étaient convertis. Ça, c'est fou. Même dans l'Ancien Testament, avant l'avènement de Christ, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu, les provisions du Seigneur devaient les convertir. Alors, restaure-moi la joie de ton salut et que les pécheurs seront convertis à toi. C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est ici que réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Actes chapitre 3, acte 3, 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est la chose essentielle, indispensable, la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Bien sûr, si nous allons prêcher la conversion, nous-mêmes devons être convertis. Si nous allons prêcher la repentance, nous-mêmes, nous devons complètement, entièrement, totalement nous repentir de tous nos péchés. Un pécheur qui continue de boire le péché, écumer le péché, fumer le péché. Un pécheur qui nage dans l'océan de la dépravation du péché ne peut pas aller prêcher la repentance aux autres. Une personne qui n'est pas convertie, sa vie n'est pas changée, sa vie n'est pas transformée, il ne peut pas aller prêcher la conversion aux autres. Mais regardez Pierre qui parlait aux gens, il s'est repenti, il est converti. Sa vie est totalement transformée. Donc, il pouvait dire que repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 19. Jacques 5, verset 19. Mes frères, un frère, une soeur, si quelqu'un, un membre de l'église locale, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, un rétrograde, alors il était dans le Seigneur avant, quelqu'un parmi vous, mais il s'est égaré de la vérité
il est retourné à la fausseté, il est retourné aux fausses doctrines, il est retourné au péché comme on l'aborde, comme on le prêche, et il n'est plus un frère, elle n'est plus une sœur, quel que soit son nom, quelle que soit sa position, quelle que soit sa connaissance mentale, elle était dans son cas un bon caractère. Elle avait un bon caractère, mais elle s'est égarée de la vérité et s'est éloignée de la vérité. Il faut la conversion. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, le verset 20 dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, et il était l'un d'entre nous, né de nouveau, enfant de Dieu, un frère, une sœur, il était de notre nombre, mais si la personne s'égare de la vérité, la personne devient un pécheur. Donc on l'aborde de cette manière. Et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort spirituelle, la mort triste, la mort, la seconde mort. Et couvrira une multitude de péchés. Toi ici, c'est la consécration convaincante à la responsabilité de gagner les âmes. Le Seigneur a dit à Simon Pierre, ne crains pas. Dorénavant que tu attraperas des hommes. C'est la responsabilité de gagner des hommes. Nous allons aux Actes 2, 20, 37. Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Le verset 38 dit, « Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, pour la rémission, pour la purification, pour l'enlèvement de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, secourez-vous, sortez de cette génération perverse. » 41 dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole, ils ont répondu, ils n'ont pas réagi, disant, vous avez crucifié Christ, ils n'ont pas dit que vous avez suivi vos dirigeants pour faire cela, ce que Dieu même a destiné. Alors vous avez fait cela par votre méchanceté, et ils n'ont pas réagi, ils n'étaient pas blessés, et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir le choix confirmé par le Christ de Simon Pierre et de tous les prédicateurs ultérieurs. L'appel confirmé, l'appel de Simon Pierre, sa consécration, la consécration de Simon Pierre, le choix de Simon Pierre et de tous les prédicateurs ultérieurs. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, le choix personnel de suivre fidèlement Christ. Le choix personnel de suivre fidèlement Christ. De le choix puissant de disciples fructueux de Christ. 3. Le choix particulier de suivre sans crainte Christ. De suivre le choix particulier de suivre Christ sans crainte. Première partie ici, le choix personnel de suivre fidèlement Christ. Ici, Christ a donné le message. Le message que le Père lui a donné à prêcher, parce qu'il a dit que je ne dis rien que ce que le Père m'a donné. Alors, plusieurs ont dit, ça c'est une parole dit. Il n'y a pas de divertissement dans ce qu'il disait. Il n'y a pas de motivation psychologique dans ce qu'il disait. Il n'y a pas de tact. Il n'y a pas de sagesse mondaine. Il a donné la parole comme il devait déclarer, l'a déclaré. Mais c'était cru. Et les gens ont dit que ça c'était une parole dit. Qui peut la supporter? Dès lors, plusieurs de ceux qui cherchaient le poisson, du pain, de l'eau, les gens qui cherchaient les biens, les gains matériels, et que vous me suivez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Ils ont dit, allons, on ne peut pas continuer. Et Christ n'a pas changé son message. Pourquoi? Parce que s'il a changé le message, ils ne seront pas sauvés. Un évangile à moitié ne change personne pleinement. Une vérité à moitié peut les rassembler et les applaudissent, se réjouissent, dansent. N'est-ce pas bon? Voici le miracle. N'est-ce pas bon? Regardez la guérison. N'est-ce pas bon? Regardez la multiplication de pain. En ce temps-ci de faim, voici celui que nous allons suivre. Mais si tout ce qu'il cherchait, c'est miracle, guérison, du pain, du boulot, une femme, un homme, mari, femme, enfant, ils ne sont pas nés de nouveau, nous ne les verrons pas à l'éternité. Je vais travailler pour rien. Nous allons gaspiller notre temps, nos ressources. Donc, ils sont retournés. Et Jésus a dit au verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69, et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ. Alors que nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Parle-nous de la repentance, de la parole, de manger ta chair et boire ton sang. On ne comprend pas la théologie, mais tu es le Christ. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Nous allons te suivre. Fais-nous une illustration et mène-nous dans l'illustration. Parlez-nous directement. Vous aussi, allez-vous vous en aller. Nous ne serons pas blessés. N'allons pas t'abandonner. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Ce Christ-là, le Saint de Dieu. Verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Il n'a pas dit 11, il a dit 12.
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon, quoique l'un soit devenu un rétrograde, un démon, un des douze. Alors Christ n'a pas changé le message, il a continué son message, et tous ceux qu'il a choisis, il a voulu que de tout leur cœur et fidèlement qu'ils le suivent. Il n'a pas dit que c'est un temps difficile. Alors j'ai appris d'un prédicateur, il a prêché un message sur la sainteté un dimanche. Et au cours de la semaine, les gens lui ont envoyé des messages que nous ne sommes pas venus pour cela dans cette église. Nous sommes venus, nous croyons que la personne était dans la vie profonde des années écoulées. Et puis, alors, il est allé commencer son ministère et un jour, lorsqu'il a vu que les gens deviennent doux d'entendre, ils sont lents, il a prêché la sainteté fermement et au cours de la semaine, on a écrit que c'est ce que tu veux souligner maintenant. On n'est pas venu pour cela. Si tu fais cela encore, nous allons te dire que nous allons te quitter. Et tout ce que tu as vu là, nous allons tous nous disperser. L'homme là avait peur. Le dimanche prochain, il est allé vers eux. La même église, le même dimanche, il a dit que j'ai appris que ce que j'ai dit le dimanche passé a blessé beaucoup de personnes. Et puis il a dit ouvertement que vraiment je suis désolé. Je ne voudrais pas, sinon vous piétiner. J'utilise ma parole. Donc il a dit que je vous assure que cela ne va plus arriver. Est-ce que je peux faire cela? Vous allez faire cela? Regardez tous ces gens-là. Que je quitte. Nous les regardons. Et je pense à ces gens qui ont quitté. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ceux qui sont fermes, ceux qui sont sérieux lorsqu'ils sont ici, et ceux qui disent que rechercher la paix avec Dieu et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ils croient qu'ils sont assez forts pour aller dehors faire n'importe quoi. Je les regarde, je les observe, si je demande après ceci, il ne pouvait pas tenir bon. Vous allez tenir bon. Moi, je vais tenir. Vous allez tenir. Lorsqu'on a commencé, le Seigneur m'a donné Jude 3 que je dois combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les gens peuvent réagir. Les gens peuvent lancer des paroles injurieuses. Des gens peuvent essayer de distraire, mais toutes ces choses ne m'ont pas ébranlé. Je suis resté intrépide et je combattais avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si quelqu'un veut réagir, au fait, j'étais sauvé avant de connaître les gens qui réagissaient ce jour. J'étais sanctifié. J'étais rempli du Saint-Esprit et j'avais l'appel convaincant de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Un homme, une femme qui se lève hier et qui vient d'hier, qui essaie de me confronter, comment je vais permettre à un homme, à une femme qui n'était pas née ou bien née de nouveau, lorsque j'ai reçu l'appel, je vais lui permettre de venir vers moi et me dribbler et ôter la parole de ma bouche? Par la grâce de Dieu, cela ne va pas arriver. Et la même attitude là que vous devez avoir, que lorsque vous êtes sauvé tout seul, vous-même. Sanctifié tout seul, vous-même. Vous êtes appelé pour servir Dieu tout seul. Alors, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, j'ai commencé cela.
avant de vous connaître. Avant de vous connaître ici. Donc, maintenant que vous avez appris qu'il y a un homme là-bas et qui combat pour la foi, vous êtes venu et la même prédication qui vous a fait sauver, qui vous a fait sanctifier, qui vous a fait baptiser dans le Saint-Esprit et qui vous a amené au service du Seigneur. Maintenant, vous voulez changer et me m'ôter de combattre pour la foi. Si moi, je suis ôté, ça veut dire que je n'ai pas la force. Ça veut dire que je n'ai pas la consécration. Ça veut dire que je n'ai pas la décision de supporter et de persévérer la persécution. Je dois vous annoncer que j'ai le cœur pour supporter n'importe quelle persécution pour ce que moi je crois. Et je vais tenir. Je peux que vous teniez aussi. Aussi proche que vous soyez pour moi, aussi intime que vous soyez pour moi, aussi familier que vous soyez avec moi, il n'y a qu'une seule chose que je ne laisserai pas aller. Je ne vais pas aller, je ne laisserai pas aller ma conviction. Tu peux cogner ta tête au sol, mais lever les jambes en l'air, va te voir et sourire. Ça ne va pas changer ma conviction. Tu peux faire tout le tapage, casser ceci, détruire cela, frapper cela. Je t'ai écouté. Je sais ce que tu cherches. C'est de ôter ma conviction. Cela ne va jamais se produire. Et la même chose que je vous transfère, que personne n'ôte votre conviction au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a choisis et nous a choisis pour demeurer fermes et pour rester solides et affermis dans l'œuvre du Seigneur. Nous n'allons pas rétrograder au nom de Jésus-Christ. Personnellement, il nous a choisis et nous devons fidèlement suivre Christ. On va voir la deuxième partie ici. C'est le choix puissant de disciples fructueux de Christ. Il nous dit en Jean chapitre 15, et je lis le verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notre fruit va demeurer. C'est Christ qui fera demeurer le fruit. Ce n'est pas les ruses, ce ne sont pas les artifices, ce n'est pas la farce, ce n'est pas le fait de modifier le message, ce n'est pas la compromission, ce n'est pas cesser de prêcher la saine doctrine qui fera demeurer notre fruit. Ce ne sont pas les gens qui se sont dispersés ici et là et qui essaient d'évangéliser la vie profonde avec telle et telle méthode. Ce ne sont pas eux qui feront demeurer notre fruit ou l'ôter. C'est Christ lui-même qui fera demeurer votre fruit. Donnez-moi un bon amen. Parce que le choix qu'il a fait, c'est un choix puissant. Et que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyons la troisième partie ici. C'est le choix particulier de suivre Christ sans crainte. Le choix particulier, quand il nous choisit, il espère que nous suivons Christ, sans Christ, sans faveur, sans trembler, sans compromettre. Le choix particulier de suivre Christ sans crainte. Nous allons aux Galates. Chapitre 1, verset
aimé lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 16. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne consultai ni la chair, ni le sang. Numéro 1, sa propre chair, son propre sang. Les gens qui sont de la même famille que lui, que je ne suis pas allé vers eux, le Seigneur m'appelle et il veut que je prêche l'évangile. Sans crainte, audacieusement. Qu'en dites-vous? Je crois que il faut ôter certains mots de notre bouche. Le Seigneur m'appelle à faire ceci. Le Seigneur m'envoie à aller ici. Le Seigneur me dit de prêcher de cette manière. Qu'en dis-tu? Il faut ôter cela de votre bouche. Ce qu'il pense n'importe pas. Ses propres parents, ses proches. Je ne devais pas consulter quelqu'un, mais les gens même qui se joignent à moi et veulent s'imposer. Je ne permets à personne, je ne veux pas que quelqu'un m'impose son ignorance, sa compromission et sa crainte. La même chose, si vous voulez permettre que Jésus se révèle au travers de vous, vous n'allez pas permettre que quelqu'un qui a un pied dans le monde, un pied dans l'église, et que parce qu'il a un pied dans le monde, il entend ce que les mondains disent, ce qu'ils pensent de vous. Et parce que vous n'avez pas de pied dans le monde, vous avez vos deux pieds en Christ, ils disent que vous n'allez pas connaître ceci. Parce que vous n'êtes pas comme nous. Nous avons un pied là-bas, un pied ici. Mais nous savons ce que les gens pensent. Qui sont les gens? Sont sauvés, sanctifiés, consacrés, engagés au Seigneur? Sont-ils remplis de l'Esprit? Ont-ils l'affection céleste? Ouais, pas réellement. Faut pas m'en parler. Ce qu'ils pensent, oui, ne compte pas. Vous devez avoir la même attitude. Et vous devez déclarer la parole de Dieu sans crainte. Quel que soit ce qu'ils pensent, il faut ôter cela de votre vocabulaire. Et dit ici que et de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Amen pour vous. Je prie que la même conviction, que la même épine dorsale, que le même esprit non compromettant que le Seigneur m'a donné, qu'il vous le donne au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si vous êtes proche de moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, alors cela doit vous affecter. La fermeté là va vous affecter. L'intrépidité là doit vous affecter. Si vous êtes appelé du nom pasteur, dirigeant, que ce soit un homme, une femme, à la vie profonde, on doit avoir le même esprit, avoir le même cœur, que vous allez vouloir fidèlement et audacieusement suivre Christ à tout moment, quelle que soit la situation, au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous le dire. Toutes les choses auxquelles j'avais fait face à des religieux et des gens de ma famille, maintenant, ils m'ont laissé en paix. Mais au cours des premières années, c'était terrible. Chaque décembre, on voulait avoir la réunion familiale. On va appeler tout le monde et ces gens-là. Et alors, ils ont eu une position intimidante. Chaque fois, je tenais la retraite chaque décembre. Quand on est là, ils vont demander où est-il. Alors, ils vont faire lever quelqu'un. Ils croyaient que la personne peut me convaincre d'être là. Alors ils vont parler à la personne là, ils vont fouetter la personne.
Et après, la personne va me parler que vraiment, je suis troublé à cause de toi. Je dis, mais tu sais quoi? Pour pas faire face à ce problème en vain, il faut naître de nouveau. Afin que tu... Alors, tu sais ce que je fais. Alors, si j'ai fait cela de plus fort longtemps, je vais continuer de faire cela. Il n'y a personne qui puisse me faire taire. Il n'y a personne qui puisse me chasser d'ici. Aucune réaction de là, de ce côté-là. Je suis votre enseignant, je suis votre dirigeant. Aucune réaction de là qui puisse me faire taire au nom de Jésus. Oui, il dit que je ne consultais ni la chair ni le sang. Avec audace, nous allons continuer de déclarer le plein évangile. Nous allons au troisième point. Nous allons voir la commission totale de Christ pour Simon-Pierre et tout son peuple sauvé et sanctifié. Nous allons à Jean, chapitre 21, Jean 21, 15. Jean au chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ?» Vous connaissez bien l'histoire. Ils avaient attrapé beaucoup de poissons. C'était après la résurrection de Jésus. Et Pierre avait dit aux disciples, « Je vais pêcher. » Et bien de ses disciples, au nombre de 7, ont quitté et sont allés reprendre les filets qu'ils avaient déposés des années passées. Et la nuit-là, ils n'avaient rien attrapé. Et c'était au commencement. Et Christ est venu, que « Enfant, avez-vous de pain? Avez-vous quelque chose à manger ?» Il dit que non. Et que « Jetez vos filets là-bas. » Et ils ont jeté leurs filets là-bas. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Ils ont même compté cela. Et un d'eux a dit que ça c'est Jésus. Il est venu avec encore le miracle. C'est Jésus. Quand il vient dans votre vie, il viendra avec le miracle. Il viendra avec la puissance. Et puis rapidement, ils ont rassemblé les trucs et sont venus vers lui. Ils disent, venez manger. Ils n'ont pas demandé où il a retrouvé, où il a trouvé le poisson qu'il a préparé, qu'ils ont mangé. Après le manger, Jésus a dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui a recommissionné. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vois le verset 16 dit, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La commission totale, complète de Christ pour Simon-Pierre et tout son peuple
sauvé et sanctifié. Nous allons voir trois points. Numéro un ici. Le souci immuable de suivre Christ, de suivre réellement Christ. Deux, le commandement indéniable de suivre totalement Christ. Trois, l'appel incessant de Clairon aux disciples dociles de Christ. Numéro un, le souci immuable de suivre réellement Christ. De suivre réellement Christ. Jean, chapitre 8. Voyons ce que cela nous dit, ce que cela veut dire de suivre réellement Christ. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il ne marchera pas dans les sucrés, il ne marchera pas dans un programme sucré ou vêtements. Et que voici mon programme. Je suis ici pour suivre Christ. Je suis ici pour marcher dans la lumière. Je suis ici pour faire du bien. Mais secrètement, se cacher, secrètement, la personne a un autre programme. Non. Celui qui va suivre Christ, ce qu'il a à l'intérieur, doit aller de pair avec ce qu'il y a dehors. Ce qu'il pense, doit aller avec ce qu'il dit. Et ce qu'il reçoit, doit aller ensemble avec ce qu'il donne. Et si Christ dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voyons la deuxième partie ici. Le commandement indéniable de suivre totalement Christ. Que nous suivions totalement Christ. Matthieu, chapitre 28, verset 18, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Comprenez, il n'a pas dit seulement enseignez-leur enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On peut enseigner sans pratiquer, on peut enseigner sans observer, on peut enseigner sans démontrer. Il n'a pas dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit sans qu'ils observent cela, sans qu'ils pratiquent cela. Quand si nous suivons le Seigneur, alors nous devons observer, pratiquer comme il a enseigné. Il a dit ici, enseignez-leur à observer, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous avez besoin de me dire un grand amen. Cela veut dire que toutes les doctrines de Christ, tout ce qu'il a enseigné, nous devons l'observer, nous devons pratiquer cela gaiement, volontairement, de tout notre cœur. Nous devons faire cela totalement jusqu'à la fin du monde.
Il sera avec nous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Pendant que vous enseignez, en pratiquant, en observant tout ce qu'il a prescrit, aucun mal ne viendra sur vous. Pendant que j'enseigne, l'ensemble d'observer tout ce que Christ nous a prescrit, je sais qu'il sera avec moi. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas entre les mains de ceux qui veulent détruire ma vie, me jeter comme ils ont utilisé. On mange la sardine et on jette la boîte. Personne ne me fera ça. Personne ne vous fera ça. Tout ce que je dois faire, c'est d'être fidèle au Seigneur. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de lui être fidèle. Enseignez l'assemblée. Enseignez tout le monde à observer, à pratiquer tout ce que Christ a prescrit. Et personne ne vous fera du mal. Et personne ne me fera du mal. Et personne ne peut écourter ma vie. Ils ont dit que, pasteur, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais la science? Il dit que je crois que je connais. Est-ce que vous savez que le stress peut écourter la vie d'un homme? Il dit que oui, je sais. Est-ce que tu ne penses pas que quand tu continues de faire ce que tu fais, continue de dire ce que tu dis, prêcher ce que tu prêches, est-ce que tu ne penses pas, tu ne crois pas que si les gens ne l'aiment pas, si les gens n'aiment pas ça et qu'ils réagissent et qu'ils font pression est-ce que tu ne sais pas que cela va te donner du stress et cela va écouter ta vie? Non, ça ne peut pas écouter ma vie. Comment l'obéissance à Dieu, une soumission totale à Dieu, comment cela peut me donner le stress? Où sera Christ? Si Christ va permettre à un homme d'hier, à une femme d'hier, de me donner la détresse que je mène une vie courte, cela ne peut jamais être. Et le stress du monde, la détresse du monde ne peut pas annuler la promesse du Seigneur avec le salut que je te rassasierai de mon salut et je le donnerai je te rassasierai de longs jours. Je l'ai reçu. Aucun stress, aucune détresse, aucune contradiction des hommes ou des femmes ne peut affecter ma vie, affecter ma santé et écourter ma vie. Il a fait alliance avec moi, j'ai fait alliance avec lui. Stress, quel que soit le nom, détresse, quel que soit le nom, je dis non à chacun d'eux. Et vous, je dis non aussi à chacun d'eux. Je dis et vous, moi aussi je dis non à chacun d'eux. La fidélité à Dieu ne peut pas écourter notre vie. La fidélité à Dieu peut prolonger seulement notre vie. Dans la fosse au lion, dans la fournaise de Nebuchadnezzar, notre vie sera toujours préservée au nom de Jésus. Donc, nous avons le commandement indéniable de suivre totalement avec confiance notre Seigneur jusqu'à la fin du monde. Voilà la troisième partie ici. Nous avons l'appel incessant du clairon aux disciples dociles de Christ. Ceux qui sont dociles, ceux qui savent que Christ a parlé, donc moi je dois y obéir. Christ a parlé, donc vous devez y obéir. Il nous a donné l'appel du clairon et il a dit, voici ce qu'il faut faire. 2 Timothée chapitre 4 et voilà le verset 1.
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, Dieu prêche la parole. Vous le ferez. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. C'est notre responsabilité. Reprend. C'est notre responsabilité. Censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont réagir contre la saine doctrine. Ils vont minimiser la saine doctrine. Ils vont préférer les divertissements aux saines doctrines. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Même au verset 5 dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte le stress. Supporte la détresse. Supporte la persécution. Supporte la contradiction des pécheurs, des rétrogrades contre ton appel. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Vous allez bien remplir votre ministère au nom de Jésus. Toute la grâce dont vous avez besoin pour supporter, pour tenir bon et d'être ferme, toute la grâce dont vous avez besoin, il vous l'accordera au nom de Jésus. Toute la puissance pour supporter, la puissance pour persévérer, tous les dons dont vous avez besoin pour rester ferme, tenir ferme dans votre appel, le Seigneur, puisse le Seigneur l'accorder à chacun de nous au nom de Jésus. Vous serez fructueux. Je serai fructueux. La première branche de fructification, c'est que ceux qui sont au-dedans, mais qu'ils ne courent pas, qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, ils réagissent, ils restent à la maison et ils doivent venir. La première fructification à faire, c'est de retrouver quelqu'un qui doit être à la réunion ce jour aujourd'hui, ici au siège, dans les pays, dans les régions. Le premier domaine de fructification, c'est d'aller vers eux, toucher les, persuader les qui viennent. Et le domaine suivant du port de fuite, c'est d'aborder les ouvriers et les développer afin qu'ils soient de gagner d'âme effectifs et qu'ils amènent des gens dans le royaume de Dieu. Et puis, le domaine suivant aussi, c'est nos voisins qui ne sont pas nés de nouveau, nos proches qui ne sont pas nés de nouveau, afin, au lieu de vous influencer vers les choses du monde, mais vous allez les influencer par la voix du Seigneur et vos fruits dans chaque domaine vont se multiplier au nom de Jésus. Amen. 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 Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Le Seigneur veut que vous soyez fructueux. Il veut que vous portiez de fruits. Il ne veut pas que vous réagissiez contre la prédication, que vous réagissiez contre la prière. Il ne veut pas que vous adoptiez une attitude mondaine, mais il veut que vous répondiez positivement, pratiquement, afin que vous soyez tout ce que le Seigneur vous appelle à être. Parlez au Seigneur. Seigneur, me voici. Je dois répondre à l'appel que tu as donné, que tu m'as lancé. Seigneur, aide-moi. Que soit ce que tu
espère dans l'appel ce que tu espères de moi. Comme tu m'appelles, Seigneur, aide-moi à répondre de façon appropriée. Il y a des choses à abandonner comme Pierre, André, Jacques, Jean. Ils ont tout abandonné, ils ont suivi Christ. Il y a des choses que vous devez abandonner, comme Matthieu qui est Lévi, qui a tout abandonné et il a suivi. Des choses qui mettaient un gain. Des choses matérielles. Des choses lucratives, bénéfiques, ce qu'ils ont attrapé, ce qu'ils ont possédé, ils ont tout abandonné. Avez-vous laissé quelque chose lorsque vous étiez né de nouveau? Est-ce que vous avez laissé abandonner quelque chose? Le partenaire de péché, avez-vous abandonner quelque chose, les gains du monde? Avez-vous abandonné quelque chose, le commerce du monde, toujours les heures supplémentaires au boulot? Avez-vous abandonné quelque chose, les choses qui sont sensuelles, qui vous offrent le plaisir? Avez-vous abandonné quelque chose, les choses qui mettaient un gain? Je les compte maintenant comme une perte pour Christ. Est-ce que vous les laissez toujours ou mais ces choses se sont insinuées dans votre vie? Est-ce que vous leur avez permis de revenir dans votre vie? Le non, l'insincérité que vous avez abandonnée lorsque vous êtes venu à Christ, l'hypocrisie que vous avez abandonnée lorsque vous êtes venu à Christ, et la discrétion que vous avez abandonnée lorsque vous êtes venu à Christ, est-ce que vous les avez toujours abandonnées ou bien ces choses se sont infiltrées dans votre vie? Cette impulsion, cette course vers les choses matérielles, cette course que tu as abandonnée lorsque tu es venu à Christ, est-ce que tu continues de les abandonner ce jour? Le bavardage, parler comme un perroquet, tu n'as pas ce temps-là pour méditer la parole de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle consécration. L'ancienne consécration est déjà rongée. Tout s'est évaporé. Je soumets tout, j'abandonne tout à Jésus. Je me livre totalement, entièrement à lui. Des chats, les choses inutiles du monde que tu as abandonnées, est-ce que tu les laisses toujours ou bien tu as retrouvé maintenant la consécration des années passées comme étant très difficile? La crainte, la peur du monde que tu as abandonné, est-ce que tu as toujours abandonné cette crainte du monde? L'amitié du monde que tu as abandonné? Quiconque se rend ami de Dieu
quiconque se rend ami du monde sera ennemi de Dieu. L'amitié du monde, l'amitié avec le monde que tu as abandonné, est-ce que tu les as toujours éloignés de toi? L'attitude du monde. L'attitude qui est l'enseignant dans les écoles du monde. Avez-vous abandonné cela? Ou bien, vous avez haï l'enseignant, ou bien vous haïssez l'enseignant de la parole. On fuyait l'école lorsqu'on était dans le monde. Nous ne connaissons pas la valeur de l'éducation. Nous avons abandonné cela depuis fort longtemps. Et que vous fuyez l'école de Christ. Vous ne pouvez pas venir, vous n'allez pas venir. Et vous n'allez pas impressionner les autres à venir. Cela est du monde. Faites de fuir l'école, faites l'école buissonnière. Pour courir après les gains matériels. Et ainsi abandonner l'appel de Christ. Est-ce que le Seigneur confirme à nouveau l'appel dans votre vie? Vous aussi, allez-vous? Vous en allez? Y a-t-il des choses à considérer qui vont vous éloigner du service du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, d'une consécration totale au Seigneur? À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez vous consacrer à nouveau au Seigneur? Remettez-vous à nouveau entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous pouvez confesser et délaisser l'indiscipline qui s'infiltre à nouveau dans votre vie, l'enfantillage qui s'infiltre à nouveau dans votre vie, en utilisant le peu que vous connaissez pour repousser l'enseignement concret de la parole de Dieu. Et que vous pouvez tout mettre sur l'autel. Seigneur, corrige-moi, réprimande-moi, j'accepte. Seigneur, censure-moi, j'accepte. Frappe-moi, j'accepte. Amène la parole dans mon cœur. Seigneur, j'accepte ça. Est-ce que vous pouvez parler au Seigneur? Et s'il va vous poser la même question, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Plus que les gains? Plus que le plaisir? Que les gains, les bénéfices, les profits, plus que les gains matériels, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Seigneur, tu sais tout, tu connais mon cœur, tu sais tout. Je t'aime. Paix
mais zayou, paix, mais brebis. Faut pas les perdre avec un évangile modifié, dilué, nourrissez-les, percez-les avec la parole de repentance, de la justice, la parole de la responsabilité à gagner les âmes. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Soyez fidèles dans la persécution. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Et le Seigneur vous donnera la couronne de la vie. Scellez ou attachez votre consécration autour des cornes de l'autel. Dites au Seigneur que rien et personne ne peut vous chasser de votre poste de devoir. Si Satan dynamiser quelqu'un pour avoir une plus grande force pour vous chasser de votre poste de devoir. Si Satan peut donner la force à quelqu'un, le Saint-Esprit ne peut-il pas vous dynamiser, vous donner plus de force à tenir ferme et plus ferme? Demandez au Seigneur à vous donner la force, la puissance de l'Esprit de Dieu. Que quel que soit ce qui arrive, vous allez continuer de tenir ferme. Le Seigneur vous aidera. Il a aidé Paul. Il a aidé Pierre. Et il continue d'aider. Il aide. Il a aidé tous les prédicateurs qui ont suivi. Il a aidé les pionniers. Il va vous aider. Soyez docile. Soyez docile, soyez docile. Les indociles sont inutilisables. Les gens indociles sont inutilisables. Les gens indociles sont improfitables. Soyez docile. Seigneur, qu'il ôte l'entêtement, la rébellion, l'endurcissement de cœur par le Seigneur. Seigneur, ôte cela de mon cœur. Déracine cela de mon cœur. Afin que je devienne docile pour devenir docile et utilisable. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Que la main du Seigneur soit sur vous. Et tout ce qui vous fera à ne pas être touché, à ne pas enseigner par le ciel, que le Seigneur l'enlève de votre vie au nom de Jésus. Père, en toute sincérité et solennité, nous venons devant toi. Nous avons reçu encore ton appel impérieux, que nous suivions Christ pleinement, fidèlement, totalement. La grâce pour faire cela à chaque moment de notre vie, accorde cela à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui s'est insinué dans notre cœur, ce qui s'est infiltré dans notre cœur, et nous réagissons contre la parole au lieu de répondre à la parole, ôte tout de nous au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre de poissons que nous avons capturés, Seigneur, aide-nous à t'aimer plus que les poissons au nom de Jésus-Christ. Les choses matérielles de ce monde, les choses qui offrent le plaisir dans ce monde, les choses lucratives de ce monde ne vont pas ôter notre cœur de ton appel au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que le même engagement que les gens dans la Bible, des gens comme Moïse, des gens comme Ruth, Pierre, comme Paul, comme tous les croyants, avec tout l'amour qu'ils avaient, étant suivis fidèlement et entièrement, accorde-nous le même engagement au nom de Jésus-Christ. Cette attitude du monde, que dans leur église traditionnelle, si le prédicateur parle de la nouvelle naissance et à laquelle ils ne s'habituent pas, ils vont utiliser de renvoyer le prédicateur et employer un autre prédicateur, ou bien la sainteté, on a prêché la sainteté et la justice, et ils ne vont pas aimer cela, et puis chasser le prédicateur. L'attitude du monde, que le prédicateur qui sait, il sait qu'on doit baptiser dans le Saint-Esprit et prêche dans le monde, et on doit prêcher en langue, et c'est l'attitude, via l'église, l'attitude des gens de l'église vont dire que notre dénomination ne croit pas à cela, que comme tu viens avec la religion qui prêche en langue, nous te chassons d'ici. Nous prions, je prie que l'Esprit là n'entre aucune de nos vies ici au nom de Jésus-Christ. L'Esprit qui reste ferme, l'Esprit qui demeure dans la vérité, qui combat avec ferveur, passionnément, qui combat avec détermination pour la foi qui a été transmise au Saint. Accorde cela à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui puisse nous effrayer en combattant pour la foi. Pas de supporters qui nous disent que nous voulons te supporter pour élargir ton ministère, prolonger ton ministère, aider ton ministère. Mais puisque tu es si persistant au sujet de combattre pour la foi, nous t'abandonnons. Fais ce que tu peux faire toi-même. Aucun de ne peut nous faire taire au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire d'aucune personne un Dieu, ou d'un homme ou d'une femme un Dieu.
Ce Dieu du ciel sera notre Dieu. Christ sera notre Seigneur. Ce qu'il nous envoie faire, nous allons continuer de le faire jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, te remercie parce que tu m'as aidé, mais je ne peux pas m'asseoir et prendre toutes choses pour acquis, mais accorde-moi plus de force, plus de puissance, accorde-moi plus de conviction constante, Seigneur. Quelle que soit la personne, celui qui supporte, celui qui ne soutient pas, aide-moi à tenir bon jusqu'à la fin. Je prie aussi pour tes enfants, tes filles et tes fils dans la foi. Nos dirigeants, accorde à chacun plus de force, plus de puissance, plus de fermeté, plus de constance. Qu'aucun vent qui souffle, qu'aucun feu qui brûle, qu'aucun contradicteur ne soit en mesure de les éloigner du roc antique sur lequel tu as posé tout pied au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu nous as exaucés. Nous serons plus forts. Nous aurons une compréhension, une conviction plus approfondie. Nous allons courir. Rien ne nous fera nous retirer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.